Bonjour, donc moi je suis Valérie Delator, je suis auteure de livres pour enfants. Je travaille avec différentes maisons d'édition et par exemple dans la région avec les éditions Milatea, qui sont des maisons d'édition régionalistes, mais j'ai aussi des parutions dans des maisons d'édition nationales comme Hachette par exemple. J'écris pour les enfants entre 3 et 10 ans, en gros l'âge de la maternelle et l'âge de l'école élémentaire, avec d'une part des albums, donc très illustrés hein, pour les enfants les plus jeunes par exemple, et d'autre part des livres pour les plus grands qui passent par des premières lectures chez les enfants apprentis lecteurs avec peu de texte ou carrément des romans pour les lecteurs vraiment complètement autonomes. Et là on est quasiment dédouané de l'image hein, puisque à cet âge-là, on s'intéresse plus au texte qu'à l'image. Voilà. Donc du coup, vous êtes intervenu chez les maternelles. Oui. Qu'est-ce que vous leur avez proposé? On a principalement travaillé sur La Brebis et sur Le Pirate, qui sont les deux livres qui étaient le plus adaptés à leur tranche d'âge, à leur centre d'intérêt et à leur niveau de compréhension. Hein, voilà. Et c'est vrai qu'on a aussi parlé de la façon dont on fabrique un livre, comment on passe de l'idée dans ma tête à l'objet livre réellement terminé et fabriqué. Toute la chaîne du livre avec l'auteur, l'illustrateur, l'éditeur, l'imprimeur, la diffusion, tout ça. Alors, très simplifié pour les petits, mais malgré tout, on l'a expliqué. Et puis après, j'ai répondu à des questions diverses et variées qu'ils ont pu me poser sur d'où venaient mes idées, comment j'ai de l'inspiration et comment je m'y prends. Je parle des personnages, il faut d'abord avoir à l'esprit de qui on veut parler. Est-ce qu'on veut parler d'un pirate, d'une girafe, d'un singe, d'un petit garçon, d'une petite fille? Et caractériser un peu son personnage, dire voilà, qu'est-ce qu'il a de particulier mon personnage, et puis qu'est-ce qu'il a comme problème, qu'est-ce qui lui arrive, et à partir de là, peut-être se dire dans quelle situation je vais mettre ce personnage-là. En tout cas, je fonctionne comme ça, c'est ce que j'explique aux enfants.